Bonsoir, je m'appelle Binyakunu David. Mon nom d'artiste, c'est Toshino. Je suis arrivé en France en 82 d'abord. Après, j'avais eu un contrat en Afrique de l'Ouest. Donc oui, tu es originaire du Congo-Brazzaville. Donc, j'étais en tournée artistique en Afrique de l'Ouest. D'abord, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Je suis allé au Mali, où j'ai fait 6 mois. 6 mois aussi en Guinée. Mais comme je me suis dit, il fallait quand même que j'évolue dans la musique. Je suis venu à Paris en 82 faire un disque. C'est ce disque-là qui m'a donné une opportunité d'avoir des contrats en Afrique de l'Ouest. Donc, en 87, je suis revenu. J'ai fait un disque accompagné des Kassav, la chanson Air Afrique. Donc, une fois exécuté, bon, j'avais un manager. J'ai fait des playbacks à Marseille, j'ai fait un playback à Lyon et Strasbourg. De là, bon, j'avais un problème un peu administratif. Je suis venu à Caen. Je connaissais des gens à la Folie Couvre-Chef. Après, je suis venu à Hérouville. Au moment où je suis arrivé, il y avait la danse africaine au niveau de la MJC. Donc, il y avait un seul percussionniste, il y avait plus de danseuses, des danseurs qui venaient apprendre, des adhérents. Donc, il manquait un percussionniste. J'étais là pour les aider. Mais tout en faisant, j'étais dessinateur, je faisais beaucoup de choses à la fois. Toujours en musique. J'accompagnais maintenant Takou à la danse africaine. Il y avait au moins près de 150 participants qui venaient apprendre à danser. Des C'était la activités. plus grande activité de la MJC d'Hérouville dans D'accord. ce temps-là. Après, comme Monsieur Jacquet m'avait trouvé un peu entreprenant, c'était le directeur de Le la directeur, MJC, d'accord. Il va me dire, mais David, pourquoi tu peux pas te lancer dans l'animation? Et la MJC avait débloqué 5 000 francs en francs français. J'ai fait faire des percussions, des tambours, et je me suis engagé à faire l'animation dans les écoles. Donc, je connais au moins 60% des enfants d'Hérouville. Comme j'étais payé par la MJC, une partie, après dans les écoles, c'est la mairie qui payait, ils m'ont dit si je pouvais créer une association parallèle pour qu'on puisse me défrayer. Donc c'est ça qui a été. Bon, en 2005, j'ai créé Couleur Kalao. Avec Couleur Kalao, je suis parti 2 fois à Tikvin, en Russie. J'ai représenté la mairie d'Hérouville et je les ai fait découvrir les percussions. Ce qui m'a plu, c'est que quand je suis reparti, il y avait une grosse photo à la bibliothèque de Tikvin, une grosse photo de moi. En 2017, j'ai pris ma retraite anticipée, mais je continue toujours de faire des animations si on me les demande. L'année dernière, la mairie m'a honoré citoyen d'honneur de la ville d'Hérouville. Et du coup, pour les 30 ans d'Hérouville, tu avais déjà écrit une chanson à l'époque. Oui, à l'époque, il y avait du monde. On a chanté les 30 ans d'Hérouville. Donc cette année, c'est les 60 ans. J'ai revalorisé. Oui, tu nous honores d'une chanson remise à jour, en fait, que tu as fait chanter donc par les enfants. C'est les enfants qui font partie de l'association Kalao. Ils D'accord. viennent le matin, samedi matin, en temps scolaire. Notre centre d'animation, qui est ovale, donc chaque matin dans la salle polyvalente de Simone Veil, on reçoit tout le monde. On a au moins 6 enfants. Dans le temps, j'en avais au moins 25 ans, hein, qui venaient aux activités. Et avec ces enfants, on a toujours participé au carnaval d'Hérouville, la fête des associations et la fête des communautés. Et je suis musicien. J'ai commencé la musique à l'âge de 17 ans, tout en étant dessinateur en bâtiment. La musique est difficile. C'est la discipline, je peux dire, la plus difficile. Il faut avoir un manager. Il faut avoir des atouts, quoi. Surtout si vous passez à la télé. Bon, on ne dit pas tous ceux qui passent à la télé ne sont pas de bons musiciens, mais si, ça donne quand On est même une d'accord, si. opportunité. Je suis fier de ce que j'ai fait à la ville d'Hérouville. Et dans l'agglo aussi, hein, puisque j'ai travaillé pour l'UMCMT. Toutes les saisons, j'allais travailler de fin mai jusqu'à fin août. Donc, je connais le département. J'allais faire les animations dans les centres de loisirs. Non, non, mais je crois que tu auras laissé une trace profonde au cœur des enfants que Je tu le as souhaite. encadrés. Je le souhaite.
Dans la percussion, je ne fais pas seulement de la percussion africaine. Les rythmes, c'est musique d'ici et d'ailleurs. Donc, il y a la samba, c'est pas Tout à fait. forcément africain. Bon, peut-être le Brésil, tout ça. Mais moi, je fais le tout. La samba, je fais les rythmes du Maghreb, tout ça, D'accord. je mélange tout. C'est C'est pour ce. ça qu'on a donné le nom Calao, couleur Calao. L'oiseau qui a plusieurs couleurs. Dans l'association Calao, on reçoit tout le monde. C'est un brassage. J'aime cette ville. La ville-là m'a tout donné. Pas tout, mais m'a donné quelque chose. Je suis connu grâce à cette ville. Donc, je ne voudrais pas que j'abandonne cette ville, que la ville aussi nous abandonne, nous en tant qu'artistes. Il faudrait nous associer. Quand il y a un projet artistique, dis non, David, qu'est-ce que tu peux apporter? Non, mais tout à Je peux fait. apporter quelque chose. Mais c'est une belle conclusion.